Hey, salut YouTube, j'espère que tu vas bien, je te fais des bisous, on se retrouve sur Hollow Knight. Au secours. Au secours, j'ai 2000 Géo dans le cul. Dans le cucu là, pour mon petit cucu là. 2000 Géo à aller récupérer dans, dans la voie d'eau royale, sachant que j'avais pas été sur le... Non, ça commence déjà très mal. Sachant que j'avais pas été sur le banc, donc évidemment je me retape tout le chemin, parce que je suis une merde. Une infâme merde. Alors qu'en plus, je suis sûr que c'est un niveau optionnel qui sert à R. Du coup, j'ai un peu le démon. Alors là, c'est le... Jean-Michemuche. Quel connard. Quel connard, ok. Et c'est reparti pour les égouts. En plus, t'as pas la map de la zone. Oui, non, je sais. C'est vrai. C'est que je n'ai pas la map de la zone. Merci de me rappeler ce fait... Autre point casse-couille, mon cher Yéyé. Histoire de rigoler un peu. Je crois que j'avais été à gauche, là. J'avais complètement été à gauche. Ok. L'honneur est sauf. Bon, alors, eux, ils sont pas si pénibles. Il suffit de leur voilà. Voilà, ok, très bien. Je vais essayer d'assurer mes arrières et de regagner quelques géos. Hein. Alors, il y a un banc. Ah, c'était à gauche, là, je me souviens. Bon, c'était assez linéaire hein, comme chemin, donc. Ah, je vais pas prendre de risques. Hein. Ok. Sauf qu'évidemment, il n'y a plus moyen de remonter. Si, ok. Oh putain. Ah, si, c'est bon, ok. Bon, c'était par là. J'avais été par là, donc là, je m'étais tapé le petit. Voilà, j'étais allé là. Là, il y a Jean-Michemuche qui m'avait cassé les couilles. J'en ai rien à foutre de Jean-Michemuche. Sauf qu'il y a son pote en dessous. Je vais être obligé de me le farcir. Ok. Putain, mais il y a mes thés, quoi. Oh là là, mais en plus, il a un bruit, vraiment un bruitage absolument dégueulasse, quoi. Un bruitage absolument dégueulasse. Quel enfer! Putain, je me suis déjà fait avoir tout à l'heure, hein, par la même, exactement la même. La putain de même. Non, c'était peut-être celle-là qui m'avait cassé le fion, je me souviens plus. Là, j'avais eu un charme de mort. Je sais plus où j'étais allé. Dans le doute, je vais reprendre de la vie, enfin de l'énergie. Oh merde. Je voudrais voir le making of des bruitages graves. Ah bah. Pourquoi la musique s'excite là? Non. Ok. Ça peut être le début d'un drame ça. Putain. Ok. Oh bordel. Ok. T'étais pas loin de ton âme car il y avait la musique. Ok. Oui, non, mais j'étais pas loin. C'est sûr. Ça, c'est sûr que j'étais pas très loin. Putain. Et évidemment, j'ai choisi d'aller à cet endroit de merde. Alors que c'est le plan Q assuré. Je sais pas pourquoi je fais ça. Hein. Ne me jugez pas. C'est que de toute façon, le leitmotiv de tout ça, c'est ne me jugez pas. Donc Jean-Michemuche la carte, c'est pas là, de toute façon, je peux pas passer. J'avais dû monter, je pense. Ah non, oui, j'étais allé là, voilà. Et je m'étais fait pranker par toutes ces merdes, là. Voilà, il y avait le connard là! Meurs pas, je t'en conjure, meurs pas. Ok. Et mon âme était dans la flotte.
Alors dans le doute, safety first. Je vais liquider cette merde là, voilà. J'étais tombé dans l'eau, ok. Ok, mon argent, merci mes 2100. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ah donc fallait bien que j'aille là, quand même. Ah bah c'est sympa ça! Ah bah merci! Ah oui d'accord, ok. Bah, top délire. C'est cette merde déjà qui m'avait niqué tout à l'heure. Ouais, alors si je peux éviter de mourir, de remourir, ce serait génial. Putain, au secours. Connard. Ah oui d'accord, s'il touche l'eau, c'est insta-death. Mais du coup, j'ai pas la carte de la zone. Qu'est-ce que c'est que cette merde? D'accord. La France. Miam miam, les bruitages. Ah oui d'accord, il y a... Ah ok, je vois où je suis. Mais attends, mais c'est le début ça, non? Enfin, je suis passé là, déjà par là. C'est le moment où je les avais tous évités, comme un lâche. Ah oui, bah oui, c'est complètement là, en fait. C'est complètement là, ok. Là, il y a Jean-Jacques, là. Ok. Ça va que son pote me casse pas les couilles. Alors attendez, du coup, je vais quand même aller essayer de vérifier la zone de la carte là. Dans le doute, je voudrais être sûr. Ok. C'était par là la carte, hein. Peut-être que je les savate tous en fait. Ti. Ok. Ah, j'ai entendu une porte. C'était bien ça. Ça aurait pu être plus catastrophique, ça va. En réalité, ça va. Oui, je t'achète la carte. Je suis la carte. Mais évidemment, ça n'a rien noté, bah oui. Sinon, c'est pas drôle. Donc, il faut que je redescende. Bon, remarquez, je suis pas loin, donc c'est pas grave. Oh, le trou du cul! Vous êtes vraiment un sport à Babis. Ah ok, je reviens là. Très bien. C'est tout.
Ok, j'ai pas été à gauche. Voilà, je me suis balancé à la flotte, mais j'ai pas été à gauche. En vrai, j'aurais pu. Bah si, j'étais là. On se souvient que je suis mort ici, hein. Donc on va pas refaire deux fois la même connerie. Tout art pop par contre, pour le plus grand plaisir. Pour le plaisir du lol, tout art pop. J'adore. Ah oui, mais j'ai pas été par là. J'ai pris ça, mais j'ai pas été plus loin. Miam miam. Ok mon pote. Putain, les géos que j'ai, c'est un cauchemar. Ah, si je meurs, c'est encore un drame. Encore un 9 francs. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça doit avoir une utilité quelconque. Il y a son pote qui va venir me casser les couilles. Casse les couilles. Ok. D'accord. Alors. Ouais, ouais. C'est infini. Infiniment long et chiant, oui. Eh bien, je tombe. Quel dommage. Vous êtes vraiment un sport à babis. C'est déjà cette merde là qui me... Ok. Reviens là, reviens là toi. Oh ! Je sais pas à quoi ça sert, mais il y a du cristal là, très bien. Quel blaireau ! Mais je peux rien faire là. Non, ça je peux pas le traverser, j'ai pas ce qu'il faut pour. Il me faudrait le méga dash. Je n'ai pas le méga dash. Bah spoiler, fallait pas aller là, mais j'y étais. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Parce que moi, pas du tout. Voilà, c'est la morale de cette histoire. C'est que ma vie est dégueulasse. Non, mais je vais essayer de retourner dans la mine, en fait. Ici, what the fuck? Hein? D'accord. Visiblement pas pour moi, pas pour maintenant. Ah, c'est une chauve-souris ça, c'est pas du tout, ok. Je sais pas où je suis, hein. C'est un cauchemar, je sais pas où je suis. Ok. Chais. Ah d'accord, ok. J'ai fait le tour. J'ai pas été à gauche. Au secours.
fait beaucoup de verre tout ça. Hein. Le verre d'Igoulas. D'accord, là je reviens là, ok. Non, ça c'est bon. C'est de l'eau potable. Mais j'en viens de là, ok. Mais j'en viens. C'est un truc ici. Hein. Rien du tout. C'est vraiment un spora babys. Oh tiens, il y a un truc en bas là. Ah ok. Je descends. Ah mais du coup j'ai 1800 donc ça veut dire que je vais pouvoir acheter la lanterne à... Dartmouth, c'est comme ça que s'appelle la ville que je me fais. Oh le missile. Vu, lui je l'avais vu. Je l'ai vu mais je me prends quand même là-haut. Ma vie est nulle. Au secours. Oh mais les klebs! Oh bordel! Ok. Oh mais la décharge quoi! Non non non. Au secours! Oh putain! Bon ça va, le banc est pas très loin en vrai. En vrai le banc est pas très très loin. Ah oui j'avais ça. C'est là? Je me souviens même plus. Je me souviens même plus. Ah oui, si, si j'étais allé là, c'est vrai. Si, si. Putain, fais gaffe. Oui, j'étais allé par là. Là, j'étais tombé dans la fosse au lion, ok. Ah oui, sacrée mémoire. Eh, je te permets pas de juger. Salaud. Des fois, je spatialise bien, des fois, pas du tout. Hein. C'est... C'est un peu mystique chez moi. Oh les klebs! Klebors? Je te juge pas, je note juste. Ouais, ouais, mais c'est déjà trop. C'est déjà bien trop. Quelle indignité. Oh les klebars! Vas-y, viens là, toi, salaud. Faut que je fasse gaffe, je prends vraiment des dégâts fous. Full gratos quoi. J'ai pas de quoi à Dokken, super. Oh merde. Ok, c'est un drame, c'est un cauchemar. Mon âme est là. Non! Oh putain, c'est un miracle! C'est un miracle ce qui s'est passé. J'ai réussi à récupérer mon âme et je suis remort. Génial. Mais rien à foutre. J'ai récupéré mon âme. J'espère que le jeu a computé le truc quand même. Sinon j'ai un peu le démon, je vous le cache pas. J'espère que le jeu a compris par contre. Je sais pas si ça t'a compté les géos. Ah non, si ça m'a pas compté les géos, c'est dégueulasse. Hein. Je crie au scandale et j'appelle le dev et je vais lui pisser dans la bouche. Hein. Je vous le dis. Je vous le dis, je le fais. J'ai pas vu le compteur de géo. Non, c'est vrai. Mais après, c'est peut-être juste une animation à la con. C'est peut-être ok tiers, en vrai. Ah non, mais si ça m'a pas compté mes géos, je vous cache pas que j'ai un démon infini. J'ai un seum. Pourquoi il y a déjà la musique de mon âme, là? C'est si près? Ah oui, c'est si près. Ok, je vais essayer de d'épurer.
Ok. La bonne nouvelle, c'est que ça l'a un peu sabré, lui. Le Klebs! Oh, putain. Ok, 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 ok. Calme-toi. Klebs! Elle prend trois coups, là. Ok, c'est bon. C'est bon, le fric est sauf. Oh bordel, j'y croyais plus, hein. Donc on le sait, c'est au quai tiers, les géos sont sauvés. Oh, j'y croyais plus, hein. Bon Dieu, j'y croyais plus. On est passé à un acte du scandale grave. Alors que je sais toujours pas si je dois aller là, hein. Ça, on le dit pas assez, mais je sais toujours pas ce que je branle ici. Hein. Oh, le connard! Tiens, chais. Dans le doute, je nique tout. Hein. Non, ça me fait rien, ok. C'est juste des éléments de décor, ok. Oh! Passage secret là, de ces morts. Je vais quand même aller voir là-bas. Ça, c'était pas nécessaire, clairement. Oh, un petit coffre. De Dieu. Je vois pas où je suis. C'est... Ah si, c'est l'arrivée, d'accord, ok. Alors, j'irai bien au banc, mais je sens que c'est une connerie. Ok. Du coup, je me retape tout, c'est ça? Et du coup, tout a repop. Non, c'est bon. Pas tout. Il y en a qui ont repop, mais pas tout le monde. C'est merde on repop en l'occurrence. Ça c'est désactivé évidemment. Ok bah je continue, je sais pas pourquoi je fais ça mais je le fais. Hein. Dans le doute j'y vais. Ça va être un boss, ça. Oh putain de merde, ok. Ok. Oh putain, d'accord, je vois le genre. Je vois le genre du boss casse-couille. Bon, après, l'avantage, c'est comme j'ai ouvert la voie, je vais être un peu tranquille sur le retour, quoi. Au secours. Oh là là, ça va être... cauchemardesque. Ça va être cauchemardesque. Il m'a pas suivi, hein. Non, c'est bon. Ah, c'est l'étage du dessous, du coup. Oh, ça va être un drame, ce boss. Ok, bon. L'avantage, c'est que c'est très facile d'y retourner. Enfin, il y a Jean-Jacques quand même, faut faire attention à Jean-Jacques. Hein. Le Jean-Jacques hargneux, tout de même. Oh bordel. Alors, il faut vraiment que je l'enchaîne dès le début. Hein. Faut d'abord que je récupère mon âme aussi, accessoirement. Ah, faut peut-être que je le fasse tomber, non? Ah non, d'accord. Oh là là, c'est chiant! Faut que j'arrive à les stacker, c'est ça? Is that what you want? Me to go back to my plane? Go back to France? Ouah, ça va être chaud.
Lui, il va être chaud. Lui, il va être méga chaud, hein, je vous le dis. En vrai, je m'en branle, j'y vais direct. Attention à la chauve-souris, bon, ça va qu'elle est pas dans la... Elle est out of range, du coup. Elle peut pas y aller, le con. Ok, bah salut, hein. Bonne journée. T'es obligé de le clean maintenant si tu veux garder les géos. Bah c'est ça. Bah ou pas, hein. Je peux ressortir de la pièce, non? Je peux pas me barrer? Si, je pourrais me barrer, hein. Après, est-ce qu'il est vraiment infaisable avec le stuff que j'ai maintenant? Ça, c'est ma question, Yéyé. Tu l'as terminé, toi? Est-ce qu'il me manque un truc vraiment vital pour le sabrer? J'en sais rien. Tu l'as jamais défoncé? Tu l'as pas fait encore? Bon, il me manque peut-être un aiguillon un peu plus puissant, un truc comme ça, mais... Je me suis perdu dans cette zone. Ah mais d'accord, ok. Je pense à Serge Dassault. Oh là là. Il va saturer la zone, ce bâtard. Ouais. J'ai peut-être fait une connerie en allant là, en fait. En vrai, j'ai peut-être fait une grosse connerie. J'avais pas ouvert ce passage. D'accord. C'est peut-être un boss, un secret boss, en fait. Hein. Ouh là là. C'est peut-être un secret boss. Je me fais défoncer trop vite, en fait. C'est le problème. C'est tout le problème. Ça sature beaucoup trop vite. Au début, ça va, j'arrive à lui mettre des patates, mais après, c'est dramatique. Hein. D'ailleurs, j'aurais pu remettre un compteur de mort, hein. J'ai pas été malin. Mais je m'en fous. Vraiment rien à foutre. Ok. J'adopte peut-être pas la bonne stratégie contre lui, hein. Je sais pas. Oh là là, mais... En faisant des trucs comme ça, déjà, j'adopte... Oh non, mais... Putain. Ouf. Ouais, je pars déjà pas... Ok. Ok. C'est un drame! C'est un cauchemar! Attends, je vais regarder s'il me manque un truc fondamental ou pas. T'as quoi en charme? Oh, j'ai de la merde. C'est vrai que je pourrais changer, mais... Attendez. C'est un boss caché. Ouais, en fait, non, mais j'y vais comme un connard, mais... Bon, c'est un boss caché. En soi, je suis pas obligé de le faire, donc je vais pas le faire tout de suite. Je pense que c'est une connerie, ce que je fais. Attendez, j'en mets juste mon brute. Voilà. En soi, c'est une connerie, ce que je fais. Je suis juste allé récupérer mon âme et je me casse. Là, je prends des risques inconsidérés. Et en fait, ils disent... Sur le wiki, ils disent qu'il faut avoir au moins l'aiguillon forgé. Donc je pense celui du dessus, de manière à one-shot les petites merdes, en fait. Sinon, c'est un peu trop galère.
Après le boss... Normalement le boss fait rien tant qu'il n'est pas provoqué, mais là visiblement il a décidé de me la foutre dans le fion, ok. Non mais c'est juste horrible. Je sais plus ce que j'ai en charme. Comment on fait pour voir les charmes déjà? Ah oui c'est ça. Bah, j'ai de la merde. J'ai la boussole. Et j'ai le capturame. Réduit le coût des sorts, augmente la quantité d'âme régénérée en attaquant un ennemi avec l'aiguillon. Ok. J'ai juste allé récupérer mon âme et je me casse. C'est vraiment beaucoup trop dangereux ce que je fais. C'est vraiment débile. Archi con. Car dans cette zone, je suis tombé sur un autre boss. Ah, c'est une vraie info, ça. Boss que j'ai passé en n'ayant pas plus de soif que toi. Non, mais ça, c'est un boss caché, apparemment, donc... c'est un Metroidvania, faut revenir. Par contre, je vois pas où je vais. Ah, si, tout à droite, là-bas. Je repars par là alors que je sais très bien que c'est un plan huc. Enfin, quoique comme ça, ça va, c'est ok. Hein. Dans ce sens-là, c'est complètement ok, tiens. Ça sert à rien, ça. Allez, non, mais faut que je remonte. Ok, je suis vraiment débile. Le roi des cons. C'est dégueulasse, hein. C'est vraiment dégueulasse. Je vais remonter, c'est pas grave. Là, il n'y aura plus la chauve-souris normalement. Aussi, c'est des gros bâtards. Je suis même pas dans le bon coin en fait, faut que je remonte. Oh, le Klebs. Klebors. Putain, quel connard. Mais attendez, mais j'y suis allé là-bas. Et je pouvais pas passer la zone. Attendez, je suis du père du coup. Si, si, j'y suis allé, je pouvais rien faire. Je pouvais pas passer la... Il y avait une espèce de grosse zone avec de l'acide là ou je sais plus quoi. Et je pouvais pas le passer, je me rappelle. Bah du coup, je sais pas. Hein. Je sais pas si je dois rester là ou si je dois me casser. T'avais fait d'autres boss avant, Yéyé, toi, avant de venir là? Ou pas du tout? Parce que là, je vois pas. Là-bas, j'ai déjà été tout au fond et il y avait rien et je pouvais pas y aller, donc... Après, il y a caverne nocive là-bas, il y a un passage. Peut-être que je peux choper le shortcut là, je sais pas. Je peux te dire où il est dans la zone. Ah oui, je veux bien. On a dit que je suis pas parti du bon côté ou je sais pas quoi. Oui, j'avais fait un autre boss avant, d'accord. Donc du coup, t'avais une technique de plus. Mais pas forcément obligatoire. Ok. Mais il y a un verre, là. Putain, la stico quelque part, là. Ok. Thank you.
Droite de la map, t'as un passage vers le haut où t'es pas allé. Oui, mais je l'ai pas trouvé. J'ai pas vu où c'était. J'ai voulu, hein, mais j'ai pas vu. Connard. Oh putain. Non, mais t'es sérieux, là? J'ai pas réussi à excéder à ce truc-là. Je l'ai pas vu, alors après, je suis peut-être con, hein, mais... Ah non, je suis mort là en plus, fais gaffe putain. Ok. Non, je suis juste méga con en fait comme gars, ok, d'accord. Non mais c'est pas de ma faute. Je suis juste ultra con comme mec, mais c'est pas grave. Merci. C'est lui qui se fout de ma gueule là? Echo, Echo, Mala, ouais, ouais, Mala. Mera, Mera, Ako. Rumas. Bon, ça va être chiant. Moi, oh, je le sens pas du tout. Ok. D'accord. Le défenseur bousier. Magnifique cache sexe. Ok, dabaï, dabaï. Il fait du handball. Oh là là, ça va être infernal. Ok. Yo. Quel bâtard. Quel gros bâtard. Doba, doba, doba. Doba, 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 doba. Ok. C'était encore un grand moment, hein. On a pris beaucoup de plaisir, en tout cas. C'était très instructif. Salut. Crois-moi, il est faisable. Ah non, non, mais j'y crois à mort, hein. J'ai aucun doute là-dessus. Il va juste me falloir quelques tries, mais ça va le faire, hein. Il a pas l'air bien chiant, il faut juste faire très très attention à son placement. Et là, bon, là j'ai essuyé les plates, donc forcément... Je suis pas allé du bon côté, là, non? Ah si. Si, potentiellement, ça le fait. Doba, doba, doba! Il est un peu russe quand même. T'es insupportable, man. Je te jure, t'es... Il a fait des sacrées boules de caca, en tout cas. Hein. Je le Hadoken. Ok. Il faut vraiment juste que je fasse méga gaffe à mon placement. Doba, 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 doba. Ah mais je peux les... Ok. Doba, 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 doba. Hit the boss. Ok, doba, doba. Doba, doba, yé. Ok. Ok, doba doba. En fait, ça, vous savez ce qu'il me rappelle? Il me rappelle un boss de Probotector qui se balance sur les murs comme ça. Je sais plus c'est lequel, il y en a un qui est insupportable aussi. Il a un pattern absolument dégueulasse. Quel con. Et je me donne, hein, je te donne toutes mes différences qui sont autant de chance. Quel con. Ok. Et puis c'est lui qui se fout de ta gueule. Ah mais ça j'en étais douté. Contra 3 je l'ai fini car hard comme jeu. Je l'ai jamais fini car hard comme jeu. Ah je l'ai déjà fini mais alors what the fuck. Mais moi j'ai joué qu'à la version européenne, j'ai joué qu'à Probotector. Parce que mes cousins ils avaient la Mega Drive et ils avaient Probotector. Et je me suis racheté Probotector sur... Enfin je me suis racheté toute la Contra collection sur, sur la Switch là. Pour une bouchée de pain. Des barres de LOL hein, de rejouer à Probotector. Mais qu'est-ce qu'il est dur ce jeu de merde. Oh, putain, 10 ans après j'ai plus les réflexes hein.
J'ai plus le niveau. Qui est la version la plus hard, oui. La version Jap est moins hard. Alors après, j'ai la version Jap intégrée dans le truc. Hein. Donc j'aurais pu, en soi. Je pourrais me taper la version Jap, mais j'ai fait le choix de me taper la version européenne, parce que je suis un connard. Parce que Madeleine de Proust. Et quand j'étais gamin, je le terminais. Hein. J'avais fait toutes les fins. Et là, aujourd'hui, j'en suis incapable, parce que je suis une merde. Parce que je suis vieux et que j'ai plus de réflexes. Domba, Domba, Roba, Roba. Ok. Ah, Punda. C'est un peu le catcheur japonais en fait. Youho. Il est très exubérant, comme un catcheur japonais. Oh quel con. Je me donne en plus. Hein. Yop. Yop. Quel con. Je me donne, hein. C'est... Mais je me donne, hein. Putain. Quel bâtard, mais quel bâtard. Je me soigne. Doba, 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 Doba. Doba, Doba, yeah. Oh, oh le bâtard. Chav. J'arrive à le refoutre à terre pour pouvoir me soigner. C'est la clé de la victoire. Autant vous dire que je suis mort. Funda. Je sais pas si c'est la version... C'est la même... Entre version Mega Drive et SNES. Ah bah je sais pas du tout ça. Moi j'ai fait que la version Mega Drive. Et après il y en a eu plein des contrats donc... Je sais même pas si Probotector c'est contre A3 en vrai. J'ai des doutes. Tu pourrais aller checker. Je me demande si c'est pas contre Hard Cops en fait. Probotector. Mais version européenne. Si c'est contre A3, j'en suis sûr. D'accord. Bah écoute, la version. Moi j'ai fait que la version Mega Drive, elle est horriblement dure. Évidemment. Elle est affreusement difficile. Mais quoique les manettes de Mega Drive étaient plutôt cool en termes de prise en main. Comparativement à celle de SNES. C'était peut-être un peu moins pire du coup. Mais c'était dégueulasse quand même. Roma, Roma. Oh, il était sexe en main. Terrible. Punda. Yop. Il me fait les boulettes de viande, ok. Les bonoballs. Moi, Bama! Bama, Bama! Putain, quel bâtard! Les bonoballs. Ok. C'est bien, casse-toi. Ok, je me reload. Petit coup dans le cache-sexe, là, pour le plaisir. Putain, ok. Bonoballs. Ouais, alors des fois il a des angles d'attaque un peu space hein, quand même. Putain quel coup. Je me donne. Je me donne sur un truc comme ça. C'est contre A3 en Europe et sur SNES. Oui, voilà, c'est tout à fait. Parce qu'en fait, en Allemagne, t'avais pas le droit de faire des jeux violents. Donc, ils ont remplacé par des robots. Bon, tu tues quand même des milliards de personnes. Mais c'est vrai que tu ne tues aucun être humain véritable.
Ça, c'est véritable. C'est véridique, c'est écrit. Tundo! Il va m'enchaîner 3 fois, ok. Ok, je suis vraiment le roi des cons. Sur Mega Drive, c'était Art Cops. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'était chaud, hein. Putain, c'était... Il est chaud, hein. En vrai, j'ai souffert. J'ai beaucoup souffert sur ce jeu de merde. Après, on s'étonne que je joue à des jeux de mort comme ça, quoi. Des jeux du trauma. On s'étonne que je joue à Celeste, à Cuphead et à Hollow Knight, quoi. Oh, Tunda! Le catcheur japonais, je vais aller me le faire le bousier là. Ils ont dû s'amuser sur le doublage quand même. Mela, 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 Bako! Comme idiot. Pas du tout. Yop, ok. Ça déjà c'était turbo gratos, putain de merde! Ok, au secours. Putain. Putain, mais il est chiant quand il fait ça! Qu'est-ce qui m'emmerde? Au secours, putain, mais au secours! Tiens, vas-y, barre-toi! Ok. Je me raise, hein. Rien à foutre de lui mettre de la vie, là. Rien à foutre de lui mettre des dégâts. Les bonoballs. Et évidemment, je me les prends dans le fion, hein, sinon c'est pas drôle. Là, je bouge pas en fait. Tunda! Il va me le refaire 3 fois, ouais, voilà, c'est ça. C'est quoi, c'est jusqu'à ce que je lui mette. Je lui foute un coup, c'est ça? Non, pas du tout. Les bonoballs, ok. Je me raise. Putain, mais quel. Yop! Tunda! Ok. Putain. C'est toujours affaire de timing, hein, comme d'hab. Hein. Allez, ta gueule. Je vais le regretter très fort, ça. Ok. Oh, les bobas! Oh, le Boba Fett. La rêve cryptique. Qu'est-ce qu'il prend? Ok. La boule magique. La boule de lavage. Ok, ta gueule. Youp. Allez, ta gueule. Salut, mon pote. Pas du tout, je me suis trompé de bouton. Salut, bon. GG, merci. Sinon, une fois ce boss passé, tu as juste un boss et un mini-boss de moins que moi. Ok, d'accord. Par contre, savoir s'il y a des différences entre Protector et Hardcore, ça, je sais pas. Non, pas du tout, il y en a zéro. Les boss sont exactement les mêmes, c'est juste que des fois les... Enfin, les... si tu veux, les patterns sont exactement les mêmes. C'est juste que des fois... leur style est différent, en fait. Visuellement, ils sont différents, mais... C'est exact. Et l'histoire est un peu différente. Mais bon, l'histoire dans un jeu de plateforme comme ça, c'est de la merde en barre. Faut arrêter de se leurrer, c'est vraiment de la merde en barre. C'est un sketch.
connard. Non, je veux pas mourir. Pas ici, pas comme ça. Pas après tout ce que j'ai fait. Oh là là, ça c'était une erreur. Oh bordel, j'ai eu chaud là. Je suis où là? Ok. Oba, oba. Ouais, une petite carte d'acquisition pour jouer à Probotector en live. Aucun rapport. Je reviens à la station, c'est ça? Je suis où? Ah non, c'était des larmes, ok. Mais d'un côté que j'ai pas encore vu. Oula. Ok, je vais pas prendre de risque, hein. Je vais me casser. Je vais me raise. Il a l'air gros, lui, quand même. Ok. Oh, connard. Oh, le bâtard. Ah ouais, il fait mal, eh. Bah mon salaud, ok. J'ai aucun moyen de monter là. Ah si, mais je suis trop con comme gars. Ah c'est un... Ok. J'ai cru qu'il voulait me vendre un truc, mais en fait pas du tout, c'est un truc. Un truc avec sa bourgeoise, super. Et ses gosses en plus, génial. Vous êtes vraiment des patamas tiro. Hein. Oh là là, les égouts, pire by ever. Hein. Je regretterai mille fois. Je regretterai toute ma vie d'avoir fait ça. C'est tout? Ah non. Comme ça, je peux pas y accéder, d'accord, ok. Je saute pas assez haut, visiblement. Je suis persona non grata, apparemment. Eh oh, vous allez vous... Oh là là, qu'est-ce que je branle? En plus, là, le banc est très loin. On va pas prendre de risque, hein. Qu'est-ce qu'il a, Mike Tyson, là? Mohamed Ali, qui prétendait faire trembler le monde. Aujourd'hui, il ne peut plus servir le thé à ses invités sans les éclabousser. Oui, d'accord, ok, je reviens là. D'accord, j'ai fait tout ça pour ça, ok. Mais j'ai eu peur à un moment que ça puisse servir à quelque chose. Mais d'accord. Mais là, il y a Jean Michemuche. Et Jean Michemuche, il se casse mille les couilles. Ok, je me... Ok, je vais pas prendre de risque avec lui parce que c'est un drame. Ça va être un drame en deux actes. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter parce qu'il est déjà tard, là. Oh, il est déjà presque minuit, putain, j'avais pas vu. Ça, c'est parce que je suis en patamas tiro, hein. En vrai, je vais aller choper un banc et je vais arrêter. Ah non, 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 plus jamais les égouts. Hein. Plutôt crever la gueule ouverte que de refaire ça. Par contre, j'ai un fric. C'est un cauchemar, hein. C'est un cauchemar le fric que j'ai. Non, monte. Monte. Encore. Monte tout ce que tu peux monter. Voilà. Ok. Une putain de chauve-souris quelque part, mais je sais plus où. Mais elle me cassera les couilles, c'est une certitude absolue. C'est une certitude absolue. Rubba! Allez, tiens, mange les morts. Retourne à Dortmund pour dépenser ta thune. C'est tout à fait ce que je comptais faire. Donc en fait, en définitive, je vais pas prendre le banc, je vais plutôt aller choper la station de transit rapide, là. Oh putain, non, Serge Dassault, au secours. Oh putain. Putain, mais ils veulent tous mon cul, là, c'est... Ok.
Et oui, évidemment, ils veulent tous mon fion. Ça, c'est une certitude absolue. Hein? Oh non, putain, détestable. Alors que j'avais juste à aller... Ok, je suis vraiment un connard, c'est pas grave. Vous connaissez le leitmotiv, ne me jugez pas. Reva! Toi ta gueule. Hein? Ah non, c'est mais oui, putain, c'est vrai que c'est un étage intermédiaire qui sert à R. Je l'oublie à chaque fois. Il est revenu l'autre con là? Ok. J'aurais pu faire ça à Dortmouth, mais c'est pas grave. Dans le doute, je ne prends pas de risque. Putain, mais oui, mais il y a Serge Dassault. Faut se farcir Serge Dassault d'abord. Attendez, par contre, c'est où là? Parce que je me souviens plus. Oh là là! Non, et calmez-vous par contre. Vous me cassez les couilles là. En fait. Yamete, la putain de toi. Ah oui, c'est au-dessus là, fallait que je monte. Et il était là. Voilà. Oui, c'est ce symbole là, d'accord. Non, mais pas du tout. Je veux voyager. Dirtmouth, la bouche de terre. Lui bosse gratos, hein. C'est vraiment un bon sbire. La lanterne. Je nie tellement la lanterne toute ma life. Pas de ma Shiro. Ah, c'est sympa ça. Donc en plus j'ai une place. Alors, je prends la lanterne. T'auras invinci plus longtemps après avoir subi des dégâts très utiles si tu as besoin de t'échapper d'une mauvaise situation. Ok, sympa. Pas mal. Qu'est-ce qu'elle me vend, elle? Elle a encore des emplacements de cartes ou des machins comme ça. Pafanara. Pour marquer différents... Ok, d'accord. Carabée... J'ai aucune idée de ce que c'est. Ah oui, non mais si, je me souviens de ce que c'est. Pafanara. Mais j'ai ouvert un compte en banque là, chez l'autre grognasse là. Mais du coup, c'est perdu ça. Il faut que j'aille retourner la voir. Au secours. Bon, ça, à la limite, je pourrais peut-être changer. Hein. Ah, ouais, non, mais ça, c'est bien, ça, aussi. Ça, c'est une dingue, ça. Ok. Ça, c'est sympa. Effectuer des ruées vers le bas. Fonctionne toujours. Et les phéromones. Putain. Je peux m'énerver, hein. Je vais essayer avec ça, là. C'est pas mal. Ok. Et je vais m'arrêter là parce qu'il se fait déjà tard. Des bisous YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve très vite.